Tu vas voir quoi, Carbo, ce matin, toi, en offensif? Philippe? Ouais. Tu vois quoi ce matin, toi, sur les mouvements de croisés? Que je reprenne les trucs qu'on voit. Je voulais travailler ça comme ça. 10 minutes devant, tu fais ça, là? Et moi, je mets 4 mecs ici. Et on. Donc, je voulais travailler sur ça, 100, 200, 300. Donc, je fais 5 minutes, moi, pour le travailler là-dessus. Je vais faire 5 minutes avec les attaquants avec un bouclier, donc ils balancent que les mouvements. Et après, 5 minutes avec le ballon. Première des choses qu'on fait, c'est qu'on se dit tous bonjour, on boit un café déjà. Et puis après, on rentre dans le détail de ce qu'on avait prévu de faire dans la planification de la semaine. Donc on planifie d'une semaine pour une autre, ou des fois à 15 jours ou 3 semaines. Et on réadapte des fois s'il y a un contenu de la veille qui n'a pas été assez maîtrisé, on réadapte l'entraînement du lendemain par rapport à ça. Donc là on a tout préparé, j'ai tout préparé au tableau et je renote tout sur mes fiches pour l'avoir sur le bord du terrain, de manière à rien oublier dans la mise en place ou dans ce que je veux faire. Ça transpire un peu? Ça va, Jaco? I saw you this morning. Après, il y a Rémi Monteil qui m'amène tous les bobos de la semaine qu'on connaît, le travail que les gars vont faire, et puis tous les petits bobos qu'il y a pu y avoir la veille, quoi. Ça va, Christian? Voilà. T'as les résultats pour... Non, il n'y a rien. Et sur, par rapport à la testo, ça aura moins de conséquences? Non, voilà, non, le plus important c'était FSH, LH et les hormones thyroïdiennes, non, testostérone, je pense qu'on va faire. Mais là tout est normal? Ah, c'est normal. Donc je vais le voir pour lui exposer le truc. Ouais. Bah, il croit qu'il faut bien le sensibiliser de bien. Parce que moi je pense qu'il n'y a pas assez à bouffer. C'est le vestiaire visiteur, mais c'est aussi le domaine de Bébert. Hey girl, is he everything you wanted in there? Sans lui, on se déplacerait pas avec efficacité, on aurait toujours un truc oublié. C'est une grosse organisation et il pense vraiment à tout. Et combien de personnes du coup comme ça qui t'entourent dans ton... Eh bien on est donc 12, on est 1, 2, 3, 4 entraîneurs, on est 2 prépas physiques, 2 médecins, 2 kinés. Un logisticien, analyste vidéo. Donc on doit avoir fait le compte. Normalement on est 12. Et un ostéopathe. Et toi ton rôle dans tout ça, c'est de tout coordonner en fait. Chacun est libre dans ses missions. Mais après on coordonne tout quoi. Voilà, ça c'est l'important. En fait l'idée d'un entraîneur en chef comme ça, c'est d'essayer de s'entourer des meilleurs pour pouvoir avoir une performance collective en fait. C'est-à-dire, après moi je donne un cadre, on travaille dedans et on avance ensemble. Mais voilà, s'il n'y a pas les autres, je ne peux pas soigner les mecs à leur place, je ne peux pas prescrire, je ne ferai pas la conquête comme peut le faire Didier, je ne pourrais pas être spécialiste trois quarts comme les carbos aussi précisément. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je ne serais pas en mesure de travailler seul quoi. C'est pas une faiblesse, mais c'est juste qu'à un moment, on est tous des spécialistes dans quelque chose et on coordonne les choses, quoi. Donc ce matin, on va travailler sous deux aspects. Le premier, donc, avec Carbo, l'aspect offensif. Et avec moi là-bas l'aspect défensif. On fait une demi-heure de travail défensif, dont 20 minutes en spécial et 10 minutes d'opposition. D'accord? Et pareil, 20 minutes d'offensif et 10 minutes d'opposition. Attends, stop! Écarte un peu plus tes appuis. Sois vraiment plus bas. On est là, au plus bas, en déséquilibre, bam, bam. Et on relève la tête. D'accord? Quand tu veux, Maya. Ouais. Vamos! Là, on est à peu près sur 12 heures de terrain à peu près par semaine.
12 heures plus à côté de la muscu, le travail physique, plus les soins, la récupération. Donc voilà, les joueurs sont présents entre 20 et 25 heures par semaine sur le site, quoi. Et après, il y a le match, bien sûr. Donc là, on y va, en marchant, tranquille. Au moment où tu le vois là, décale. Et on décale. Voilà. C'est, à ce moment-là, c'est décale et on change de couloir tous. Donc on est là, j'ai JB. Au moment où Guillaume rentre, je passe ici, là, et on a décalé tous un couloir pour le prendre. Au niveau de la relation avec les joueurs, on te voit quand même très présente et tu leur parles beaucoup. Ben pour l'instant, ils sont dans l'apprentissage encore de ce qu'on veut faire. Donc on est beaucoup dans l'échange, etc., qui comprennent exactement ce qu'on veut. Mais d'ici quelques mois, ça doit être des gestes qu'on maîtrise. S'ils ne les maîtrisent pas, le ton risque d'être un peu plus élevé. Puis la pression sera là et l'exigence à un moment du détail doit nous permettre de faire la différence. Et si on n'est pas assez exigeant avec ça, sur le terrain, on laissera aussi des choses en travers. Donc on est dans l'échange, c'est toujours un peu le début de saison, mais c'est aussi ma façon de faire, quoi. C'est important de les rassurer, c'est important de... Faut dire quand c'est bien et quand c'est pas bien. Ouais, faut communiquer, mais... Après, je sais pas exactement comment font tous les autres, mais pour moi, ça fonctionne un peu comme ça. Allez, on continue ici. Si on évolue toujours de la même manière ou si on amène les entraînements toujours de la même manière, il y a une lassitude qui s'inscrit après. Et s'il y a lassitude, il y a moins de motivation. S'il y a moins de motivation, il y a moins de performance. Donc quand on travaille un secteur de jeu ou une attitude, il faut toujours être amené à la travailler différemment pour pas que le joueur ait l'impression de faire la même chose. Et c'est des fois ça le plus compliqué. De temps en temps ouais, mais non. Si j'arrive à décrocher, mais ouais, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué. Bah, parce que ça tourne ovale chez moi aussi et que moi j'ai mes fils qui jouent au rugby et puis c'est ma vie, quoi. J'ai rencontré ma femme, je jouais, je suis passé entraîneur, elle le savait déjà, donc en fait elle m'a pris comme ça, mais ouais, ça tourne ovale à la maison, ouais. Vraiment. Donc après, décrocher, j'arrive à décrocher, mais il faut. Dès que je décroche, ou même quand je suis parti voyager un peu, parce que j'aime bien ça, et dès que je vois un bout de terrain, j'ai envie de voir, dès que je vois des gamins jouer sur un terrain, j'ai envie de voir comment ça se passe. Donc j'arrive à décrocher de toute la pression, de tout ce qu'il peut y avoir autour, quoi. Mais décrocher du rugby, c'est compliqué, ouais. C'est vraiment la passion, quoi, qui t'anime. Ouais. Bah ouais, je me lève le matin, je pense qu'à ça, je me couche, je pense qu'à ça. Après, c'est pas envahissant, hein, dans ma vie, mais c'est prégnant pleinement, quoi. Pleinement. Après, ça fait partie aussi de... Je crois que c'est un métier de passion et à un moment, quand on a ça, ça donne tellement d'émotions, ça te fait tellement vibrer et puis il y a tellement d'adrénaline autour de ça que ça donne... Ça a une certaine accoutumance, quoi. Et on est un peu addict de ça, quoi. Comment tu vois, toi, évoluer ta carrière? J'ai plein d'ambitions, j'ai envie de faire plein de choses. Que ça soit dans le développement du rugby ou que ça soit dans ma carrière d'entraîneur pro, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'avoir le Brennus à la maison, quoi. Ça, c'est ce qui nourrit pleinement ma motivation d'entraîneur. J'adorerais et j'aimerais un jour pouvoir entraîner l'équipe qui lèvera le Brennus, quoi. Alors j'adorerais le faire avec mon club, hein, parce que Brive, c'est mon club. Donc j'adorerais le faire avec Brive, mais si je peux pas et que j'ai l'opportunité de le faire avec d'autres, bah c'est comme la carrière d'un joueur, quoi. Je crois qu'à un moment, ça peut être qu'une étape, quoi. Ça peut pas être une finalité. Je ne vois pas être le Giroud et rester 35 ans dans le même club. Je crois qu'à un moment... D'ailleurs, je suis assez admiratif de ces personnes-là, parce que toujours trouver la motivation pour rester au même endroit aussi, voilà, le changement, c'est aussi... Ça donne souvent un petit coup de fouet, quoi. Ouais, c'est pas mal fait.
Ça a l'air ludique quand même comme entraînement. C'est rigolo, on amène la ludicité, mais on bosse vraiment en fait. Là, c'est vraiment du. Il y a un peu de compétition. Il y a 2-2 là, celui qui gagne, s'il gagne là, ils ont gagné. Il y en a qui vont ramasser le matos. 1, 2, Expert. Voilà, parfait. J'avais pas dû, mais tu l'as. On l'a refait. Allez, les gars. Allez,